développement en Mboka. Voilà qui se dit dans la calame. Au point de tolérance, pour nous soutenir l'élection. Le président Sengi, pour que ce soit une élection transparente, démocratique. Donc, comme on boule à l'élection, on a profité, on a félicité. Merci. Le soutien de ces jeunes au chef de l'État et à Omer Iguaki se passe de tout commentaire. Je remercie beaucoup le président Joseph Kabila pour le Sali, Je dis que tu as gagné bataille, mais la guerre n'a pas gagné. Le message à l'Ubosé, c'est que le 19 septembre, le 20 septembre, des ordres de Salimakité. Le 19 décembre, à Taïlo Mohamed Salimakité, parce que jeunesse est comprendre. Jeunesse, ils ont juste besoin de tout encadrer, on va comprendre tout ceci. Je suis un papa, il y a les 19, mais tu sais, c'est pas la gimmick, tu vois, qui m'y est avec ma boue. Tu es les 20, qui m'y a. Et là, le bosson, c'est pas un beau jour, mais moi, tu m'as dit que tu vois les 19. N'a pas nous fait une version, mais tu ne peux pas refaire. Tu vois, qui m'y a. Et là, on a promis ce bénin, Zambé, le président de Chambou, Abila Kafane, Joseph, on a dit qui m'y a. Bateau, tu as dit penser à faire pillage. Tout le monde est l'homme. Arrêtez, c'est chef d'État. Je suis un peu plus de temps. Alors, welcome back, welcome TV. Alors, bon, mon ibino moko, quelle joie! Olé, 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 okole kawapie. Donc, balobi que président Kabila donga zala ou mela na place wan. Vraiment, il faut en mouté maman, bé pour que l'inga ou kono yina mouan an zambi. Ou moukil déjà bango basi bandimi, même rassemblement dimi. Yon wana tellement que na mouni bate belé bako seli peuple makamoutro. To kenabino na référendum, peuple yemoura voté. Parce que biso neti bana kalamu biso ne sto bana kalamu ba emeka bango bana kalamu tu to le bique no kabila il fa vendre na poste on a donc akumba biso tine emergence 2030 donc to se pena le quoi bino bozo cha tembe tembe le kabino to ke na référendum peuple e moka loba voilà pourquoi bo mona le soso nenge olenga ko yi moka changer ne masolo ala bique te kabila vanda bino mo bula na na image ngo na ozonge la bino awa r moko na www.welcometv.co.uk boyo kangani na obeta siko masolo kitoko alobula na olenganko na le reste da programme ndenge moka lobby clair alors prince na code 243 mambo sinasi a code sinamé moi ndo compliqué est-ce que ta corona est dans le sinamé est-ce que Non, moi je crois que loko tu okoye bisa na population na biso to ye poto comme bible awate. Po bible ndé za document oyé za na critique té. Eza document oyé batoyo bazala bon moyindé basali ya. Mais eloko nga na okolo bana oyé biso to sali na banza peuple na biso ba komona ke to sali musalo ye sengela ki to sala yango. Et ce qui est important lelo Ils apprennent à quoi éviter mon boulot à côté d'un boka pour tout qu'ils aient ensemble dans ma lèvre vers l'élection. Pour le peuple, il faut s'actionner à travers l'élection. Il faut que les gens
naba oyo bakoleka ye je crois biso to privilégier mingi congo bayimboka mibadi ke epoza batete parce que bokoki dialogue ya cité de loya boyeya sienko bamoni bino oza batete soki bosigne yango ça veut dire opposition exacte yolomiokoa bat non moi je crois que baoyo baza koloba ndenge wana baa na molili baza na politike ya lape torche oyebi politike ya lape torche ntango yo okobeta torche mwindi eza liboso na yo me yo moko oza na molili donc je crois que capacité ya homme politique batalaka yango face na bepreuve oyo ezali na liboso ya mboka na ye biso tomonaki ke na ntango oyo soki tocontinue bato ebele 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 bakokufa et on a trouvé le moindre mal le moindre mal ezali négociation toza kosala vous savez même Machiavel à une époque soko otangaki ye okomona parti oyo alobaki que dans la vie il faut nyonso na bakor nyonso il faut kotala esika oyo ezali mabe ya moke donc c'est ce qu'on appelle le moindre mal oyo biso toti kosala awa eza effort monene de part et d'autre pour te tout relever mboka na biso totala comment tokokopesa espoir na population na biso yango nde tozali awa boy mais ke moto aya kolobake non biso toza parce que soki to non accord ya cité le oya ezalaki makambo ya kojo na bato na ye oyo eza makambo ya basango oyo biso nyonso tokendeke kosambela kuna bato nyonso oyo baza bato ya masumu soki masumu eleki esika epai ya nani tokendeke kodécharge epai ya basango te alors lelo toyende epai ya basango la différence est que dialogue oyo esalami na tête na yango bato oyo baza na expertise ya situation ya mboka bato oyo bayebi situation ya mboka ndenge ezali awa biso nyonso awa nga na aleki basango oyo bango baza na bainterieur baza kotoucher le cœur du peuple bavivaka na yango oyo tozoloba mpasi bato ya liboso oyo bayebi mpasi ndenge eza na interieur ezali bango alors bango meme ntango tozonégocier okomona baza korappele biso nyonso en ordre ke non bino bozoloba boye mais réalité oyo ezali na kati ya mboka eza boye 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 moi je crois que il faut quand même korendre un hommage ça ne sera pas un péché s'il faut vraiment le rendre cet hommage là on n'a pas commis erreur ndenge bato bazokanisa non au contraire eza chance monene mpona biso mpo toye kosala yango na basango ya mboka na biso baeveke ya mboka na biso bon oyo likambo ya kojo wana boyebi ndenge ekendeki atterrissage ya catastrophique alors moi je crois que lelo il faut toyoka esengo ngai naza convaincu eloko na koyebisa peuple na biso toya awa te mpo toya kotanga nkombo ya songolo pakala awa toyaki mpo toloba makambo ya congo e na banza ntango basango bango moko bakopesa message oyo toyokani awa naza convaincu ke peuple na biso bakosepela mpe bakomona ke non bamibali nde bakendeki kuna parce que biso toya awa te mpo toya kobanga motu nde tosali baaccord non biso toya awa mpo na koloba dossier ya congo alors dossier ya congo eza dossier ya congo e baaccord oyo motu nyonso akosepela na yango e je crois ke na mboka nyonso eza deux solutions soit bolobani boyokani soit bitumba alors biso tomoni ke bitumba eza eloko ya malamu te mpo na mboka na biso boyebi ke mboka na biso toza entouré na 9 frontières bafrontière ya bamboka mosusu wana nyonso oyo balingi biso eza mboka oyo baza na bamoye te lelo soki mobulu ekoti na kati ya mboka na biso bamboka wana bakosala occupation directement na bisika oyo bozoyoka babitumba bazoboma bato tous les jours alors ntango bakooccupe kuna meme lelo ye kabila akei oyo nyonso oyo akoya akobimisa bato wana ndenge nini c'est dans ce sens là oyebi politique biso population baza kopesa biso confiance biso nde toza koguide population kolakisa bango esika nzela makambo oyo biso toyebi mais baaccord oyo tozali à partir du moment toza na bagaranti nyonso joseph kabila ayebi ke mandat na ye esila kala depuis le 19 oyo toza kokota na makambo mosusu ayebi yango awangani mpe yango te du projet de transport multimodal et sous l'autorité du ministre de transport, donc c'est en son nom. Lundi 27 juin 2016, la coordination de l'unité de projet basée à Lubumbashi organise une journée porte ouverte
afin de faire connaître à l'opinion les différentes réalisations du projet pour le redressement de la SNCC depuis 2011. Le représentant de l'organe délibérant du Haut-Katanga, le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, Eric Monga, la délégation syndicale de la SNCC, la société civile et la presse ont été conviés pour cette campagne de communication. Première visite, l'usine de production de traverses en béton bibloc dans les installations de la SNCC de la commune Kampemba. Guidé par les coordinateurs de l'unité du projet basé à Lubumbashi, Michel Moulongo, la forte délégation a eu une idée nette sur le processus de la production. De la centrale à béton à la machine pondeuse, en passant par les laboratoires, l'atelier d'armature, la délégation a été édifiée. 800 traverses en béton bibloc et la production journalière de cette usine. Direction vers les dépôts diesel dans les installations de la SNCC. La Banque mondiale a acquis 18 locomotives neuves fabriquées en 2014 et le gouvernement congolais a aussi acquis 20 locomotives neuves faisant un total de 38 engins. Certains sont déjà en exploitation. Ici au dépôt diesel, un échantillon a été visité. Aujourd'hui, il y a 4-5 personnes. Donc, il faut aider la SNCC à ce que les miniers reviennent. Parce que comme moi, j'observe la production, ma fille SNCC aujourd'hui, tout le trafic local, il est satisfait. Donc, il n'y a plus de charges restantes. Le problème, c'est le minier. Il faut que le minier revienne à la SNCC. Parce que la SNCC, comme vous le savez, c'est une entreprise avec des charges fixes qui à un moment sont incompressibles. Et on a atteint ce niveau. Donc aujourd'hui, il n'y a que... Le Katanga produit 1 million de tonnes. Mais il y a moins de 15% de cette charge qui passe par la SNCC. Or, la SNCC a des charges fixes aujourd'hui qui sont incompressibles. Donc il faut augmenter le trafic. Bon, pour le moment, je ne fais que renforcer la position que la FEC a toujours défendue depuis que la SNCC a repris un nouveau souffle. Le rail reste le moyen de transport le moins cher et le plus adapté pour le secteur minier pour l'instant et aussi pour le secteur agricole et par effet d'entraînement de tous les secteurs. Et nous cessons de le dire, parmi les grands défis qu'il y avait sur le secteur minier, c'était l'électricité et le transport ferroviaire. Et maintenant que le transport ferroviaire renaît de ses cendres, il faudrait vraiment l'utiliser. Il faudrait vraiment l'utiliser et de ma propre expérience, c'est quasiment depuis plus d'une décennie, c'est la première fois que je vois que la SNCC nous montre des grandes performances comme le fait maintenant. Embarquée dans ses bus, la délégation s'est dirigée vers le village Baya, situé à 22 km de la ville de Lubumbashi. L'important ici est de s'enquérir des travaux de renouvellement des 73 km de la voie ferrée à partir du village Baya jusqu'au village Chilantembo. Nous exécutons sur ce chantier concerne le renouvellement de la voie, c'est-à-dire nous enlèvons l'ancien matériel 29 kg qui est déjà en état de dégradation avancée et nous remplaçons le nouveau matériel qui est donc rail 54 kg, traverse et de ballast. Et nous évoluons vers le Lubumbashi jusqu'à ce que nous arriverons jusqu'à Chilatem. La partie déjà réhabilitée a même permis les déplacements de la délégation de Baya vers les chantiers avec un train voyageur. Les travaux jusqu'à là, nous avons bien apprécié parce que c'est le début encore. C'est bien fait. Franchement, c'était bien. C'est-à-dire, au départ, initialement, on avait prévu de travailler sur 700 km. Les travaux sont tellement bien faits qu'aujourd'hui,
tout ce qui reste comme fond du projet sera mis sur la voie. Donc on passera de 700 km à 1400 km, ce qui fait à peu près 41% de la voie sera touchée et réhabilitée dans le cadre du projet. Au début, il était prévu le tronçon dans le Copper Belt, c'est-à-dire de Kolwezi à Sakania. Mais aujourd'hui, en passant à 1400, on va aller vers le centre, c'est-à-dire vers Kananga-Ilebo, mais aussi vers le nord, hein, vers Kamina, Gwena, voilà, sur cette section. Et il n'y avait pas beaucoup de circulation. Aujourd'hui, il y a plus de circulation, parce qu'il y a plus de locomotives, plus de matériel. Donc, et on ne déraille pas. C'est pour vous montrer la qualité de la voie aujourd'hui. Non comment, comme on le dit, les cheminots qui perdaient de l'espoir se sentent réconfortés. Nos sentiments par rapport à ce que nous voyons, et vous-même, nous sommes sur un chantier, un vrai chantier, un chantier mécanisé. Et on voit que les histoires sont en train de renaître. Les histoires renaissent. Le problème, si chez nous, la SNCC, on a traversé une période très longue de vaches maigres. Là, on était même désespérés, on pensait qu'on allait directement vers le mur, et Dieu merci, avec l'appui de la Banque mondiale, l'appui du gouvernement. Vous voyez, les travaux sont en train de se faire, et pour nous, c'est une renaissance. On va tout droit vers le redressement de la SNCC, avec les travaux qui se font, avec cette visite de la FEC. Moi, je pense, même nos clients, ils étaient désespérés. Et maintenant, avec ce qu'ils ont vu, nous avons l'attraction. La voie est en train d'être réhabilitée, je pense. Ils vont revenir vers les rails. C'est un autre déplacement par la voie ferroviaire vers le village Mounama. Ici, c'est l'atelier des soudures des rails qui a été visité. Avec la Banque mondiale et le gouvernement congolais, la Société nationale des chemins de fer du Congo est résolument engagée vers l'émergence. Kilomètres 230 entre Baya et Mounama. Nous sommes en train de faire la pause mécanisée en utilisant le portique de pause ainsi que les traverses en béton armé qui sont produites par l'usine de TBA de la SNCC Lubumbashi. Alors, le procédé est lequel? Aller du portique de pause et de la traveleuse, nous arrivons sur le chantier qui est déjà dégarni et même la voie déposée. Nous avons déjà placé le chemin de roulement que vous voyez à ma droite et à ma gauche, c'est sur lequel passe le portique de pose. Alors, ce portique, en se servant de la traveleuse nous prend 40 traverses, elle roule sur les rails des chemins de roulement, elle dépose 20 traverses dans la voie et elle se déplace un peu plus loin pour déposer les 20 autres traverses. D'accord. Elle rentre sur le wagon pour récupérer encore une deuxième rangée de traverses et ainsi de suite. La voie que nous venons de déposer, c'est une voie qui date des années 80, hein, 75-80. Pour cette section du Mounama, il y a des endroits où la voie date de 1928-53, etc. Avec ça, on peut aller au-delà de 16 tonnes à l'essieu que nous transportons pour le moment. Et une vitesse de... Oui, on peut aller, parce que la vitesse, on peut aller jusqu'à du 45, parce qu'actuellement, nous roulons, avec tout ce qu'il y a eu comme incident, nous roulons à du 15-25. Mais avec ce profil de rail, nous pouvons aller à la vitesse maximale autorisée. On peut même dépasser, aller même jusqu'à 60.
Les attentes de la Banque mondiale, c'est pendant les deux années qui restent dans les projets que les travaux des réhabilitations de la voie s'achèvent correctement. Et ça demande un effort très grand des équipes qui travaillent. Étant donné que dans le passé, on a déjà eu de l'expérience avec l'avancement des travaux, nous pensons que également d'avenir, ça va aller. Nous n'avons aucune crainte que les travaux ne seront pas achevés. Ferrer, il y a Stanley qui avait dit, sans les chemins de fer, le Congo ne vaut pas un pays. Donc l'infrastructure ferroviaire que nous avons ici chez nous, et on appelle même colonne vertébrale la République. Donc c'est une histoire qui est très 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 importante. C'est pour cela que vous nous voyez, nous, en tant que cheminots, nous sommes liés à ces rails, à cette infrastructure. Ce sont les aïeux qui nous ont légué ça. Nous voulons aussi les léguer à nos descendants. Puisque nous avons hérité, il ne faut pas que nos descendants viennent, ils trouvent, il n'y a plus rien. Avec ce que nous sommes en train de faire, avec la Banque mondiale, le gouvernement et nous les travailleurs, et je pense qu'on va sauver cette voie qui était presque en voie de disparition. Regarde bien le fiston, comme il a très bien grandi.